Allez, on continue notre dernière mission, je suppose. Ah, là. Un truc en bas. Porte verrouillée là-haut. Électronique, j'ai entendu. Ah, j'avais bien. Eh bien, j'avais entendu un truc. Non. You. Ah oui, mais non, je vais dire, il y a un robot là-bas bizarre. Maintenant, j'ai touché la pierre, donc forcément, il va y avoir des robots. Ça c'est fait. J'ai pas la clé. C'est sérieux? À l'ascenseur alors? Là-bas, une clé, on peut pas la récupérer? Ah, tiens, hop là! Ah, oui, d'accord. Ah, ok, donc on a récupéré enfin la clé. Un peu de répit. Donc, j'ai envie de dire ascenseur. Hein. L'ascenseur va nous ramener, j'imagine. Ce message importe peu. Mon seul objectif est de m'exprimer. Mais s'il venait à t'atteindre, faites qu'il t'apporte une certaine mesure de bonheur. Et de paix. J'ai passé la majeure partie de ces deux derniers siècles à essayer de comprendre ta décision de quitter Nero. De vivre une existence éphémère sous un soleil mourant, au lieu de te baigner dans notre lumière éternelle. J'ai cru ta décision nihiliste, rebelle. Peut-être était-ce un moyen d'échapper à l'immensité de l'univers. Pensais-je avec amertume, une naïve tentative de recréer notre monde. Mais depuis, j'ai vu le berceau de la création. J'ai étudié ses secrets. Et je pense que je commence à comprendre. Rien n'est éternel. Ni l'Idrisir, ni Nerud, ni même Alexistora lui-même. Tout disparaîtra un jour. L'existence est limitée. Dans ce cas, est-ce vraiment la quantité de vie qui compte? Ou sa qualité? Je vois que tu as choisi ce qui était important pour toi. Un monde. Un soleil. Ce qu'il restait de la faune de notre monde. Pourquoi? Je sais à présent que cela n'a pas d'importance. Pour vivre. J'aimerais avoir pu partager cette vie avec toi. Je ne regrette pas mon choix. Comme je pense que tu n'as pas douté du tien.
Mais j'aurais préféré que nos avis convergent. S'il existe une vie après tout ceci, au-delà d'Alexis Tora, du temps et de l'entropie, peut-être pourrons-nous choisir à nouveau. Alors nous nous retrouverons.